Après la canicule la semaine dernière, cette semaine est placée sous le signe des orages avec le retour à un temps très instable. Hier soir, on a eu des orages localement violents dans le sud-ouest. On va retrouver un temps très orageux cet après-midi, notamment en allant vers le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance par Météo France. On attend des orages, mais également de la grêle, mais aussi de bonnes rafales de vent. Donc soyez bien prudents, notamment entre le sud-ouest et le centre-est. Un temps un peu plus lumineux, en revanche, sur le nord du pays ou encore autour du Golfe du Lion, même si les nuages auront tendance un petit peu à déborder. Côté température, eh bien, elle reste très élevée, même caniculaire sur la façade est, 35 degrés à Lyon ou encore à Grenoble, 33 degrés à Dijon, 32 degrés à Besançon ou encore 31 degrés du côté de Strasbourg, tandis que c'est un petit peu plus respirable dans le sud-ouest avec 24 degrés à Biarritz ou encore 26 degrés du côté de Bordeaux. La suite du programme, encore des orages pour votre journée de mercredi avec des orages localement assez violents entre le sud-ouest, le centre ou encore en allant vers les Alpes et le Jura. On retrouvera toujours un temps lumineux au nord ou encore dans le sud, plein soleil si vous êtes à Montpellier, à Marseille ou encore du côté de la Corse. Le tout dans des températures relativement douces avec 26 degrés au nord et localement 28 degrés dans le sud. Excellente journée à tous.